je vais vous montrer la conception de ma nouvelle lampe design. Je me suis dit que j'allais commencer par la dessiner, puis je me suis souvenu que je ne sais pas dessiner. Donc j'ai directement commencé à la réaliser, parce que ça, je sais faire. Je commence avec un gros morceau de cerisier dans lequel je fais l'empreinte du mandrin. Puis je vais directement attaquer le creusage. Ensuite, je vais affiner les parois comme j'ai pu le faire sur les vidéos des fleurs. C'est vraiment une étape délicate car si on y va trop fort, on peut tout casser. J'utilise cet outil qui sert à mesurer l'épaisseur de la paroi, puis je contrôle la transparence avec de la lumière. Je continue d'affiner la paroi jusqu'à avoir une transparence qui me convient. Vous pouvez voir que quand on travaille de grosses pièces de bois tendres comme celle-ci, on met des copeaux absolument partout et le nettoyage n'est pas un plaisir. Une fois que j'ai terminé, je n'ai plus qu'à passer un coup d'huile que je vais faire brunir avec une vitesse assez élevée autour. Puis, quand ça c'est terminé, je coupe la pièce principale. Je vais maintenant y coller une partie en fer. Une fois que ça c'est fait, je prépare le socle qui viendra accueillir l'ampoule. Je le ponce et j'y mets un coup d'huile, puis je le coupe. On est déjà sur le montage de la lampe. Je n'ai pas filmé le socle, mais c'est pas très important. Voici à quoi elle ressemble au final. Donc voilà, ça ressemble pas au dessin que j'ai fait parce que je sais pas dessiner comme je vous l'ai dit, mais j'espère que le résultat vous plaît.